Hey les gars, c'est Sergio, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Déforestation Totale. Ben, on se retrouve juste après le off et l'intro. Et aujourd'hui, on est en compagnie de beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. On a Artium QC. Yes. On a Black Mick. Coucou. On a Will. Coucou. Et on a Team Power, Loire Agripicture. Et ouais, salut. Et on a fait beaucoup d'argent dans le off. Il y a eu quasiment 200 000 euros. Un petit peu moins, peut-être. Un petit peu moins de 300 000 euros. Non, non, dans le off, on n'a pas fait 300 000 euros. On a fait 190 000. Hein. Mais c'est pas mal. Mais bon, on a dépensé l'argent parce qu'en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo. Hein. Enfin, j'ai déjà commencé à la tourner. Et bah voilà, on a acheté ça. La benne, on l'a pas acheté. Hein. On a juste acheté ça. Ça nous a coûté 230 000 euros, c'est ça? Ouais. Attends. Vous pouvez commencer, les gars. Hein. Les yeux, allez sur vos chantiers et tout. Hein. Vous ne vous embêtez pas. Alors, des 200 000 euros, on a acheté celui-là, la Link Belt de FDR. Pour ceux qui se demandent, elles sont toutes sur King Mode. Hein. Je les ai toutes mises sur King Mode. Mais la Link Belt est très jolie. Très bon matériel forestier. Et avec ça, on a pris une tête d'abattage. C'est vraiment, vraiment stylé. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre, Artium? Oui, j'ai loué une benne Josquin parce que Artium, comme vous avez pu le voir dans le off, a voulu nous faire essayer ce broyeur qui a une capacité en fait, et c'est juste un truc de malade. Bon, un peu cheaté, mais ça va. Comment le... Ah oui, c'est haut. C'est tellement classe. Alors là, tu recules, et ça met tout dans la benne. Ah, elle est déjà pleine. Ah ouais. On va rendre la capacité, elle est un peu cheat, non? Bof. La benne. Et bien sûr, oui, je sais pas si je l'ai dit, mais le broyeur, on l'a loué. Hein. On l'a pas acheté, il coûte un peu plus cher. Du coup, voilà un camion qu'on va acheter. Du coup, on a assez 82 500 avec la version ouais. 450 chevaux. Regardez, ça fait un peu, je sais pas, pays de l'Est, un peu Russie. J'aime bien l'idée. Au niveau des roues, on laisse d'origine. Hein. Ouais, en plus, ça change rien. Elles ont des noms différents, mais finalement, il y a que plus petit. Alors, au niveau des couleurs, par contre, soit on laisse en version comme ça. Ah, en jaune, c'est stylé. En jaune, jaune. En yellow, genre le yellow qui propose Hardy, un peu moutarde. C'est assez sombre, c'est en rouge hardy, c'est pas mal. Ouais. Ouais, après tout rouge ça fait un peu... Ouais, c'est pas mal. Par contre on a déjà pris pas mal de trucs en rouge. Ouais, bleu c'est trop. Ouais, on prend en hardy, allez, on prend en hardy. On achète. Hop, on a un camion. Là on a déjà dépensé quasiment 300 000 euros. Il me reste un peu de... Ah, on a perdu Will. Ouais. Oh non. Will il a une bonne co aujourd'hui. Hein. Moi j'arrive pas à vendre mes copeaux. Ah si c'est bon. Bon voilà, du coup on peut rendre tout le matériel. Oh, 450 euros. Parfait, pile ce qu'il nous fallait. Yes. Du coup, il nous reste 4000 euros. Ouais, c'est pas. On a plus du tout de thunes, quoi. Et je vais vous montrer où on en est hein, sur l'avancée du chantier. Juste avant, je vais rendre le matériel. Garage. Par contre, la batteuse n'est pas encore rendue. Hein. Ah ouais? Attends, je vais montrer la batteuse. Tu peux venir dans le JCB? Je vais montrer la batteuse. Ouais, pas de soucis, mec. Elle va à 7 km/h. Bah ouais. Ah mais c'est le pire achat en fait. Encore une très bonne idée d'Artium. Hein. Non mec, t'inquiète que mec on joue. Ah elle est pas mal quand même. Elle a de la gueule. Hein. Ah si ça va. Ça va. Elle est pas trop dégueulasse. Ah en plus elle a 2000 litres. Ah ok mais pourquoi elle... en capacité elle a du diesel. What the fuck. Bah ouais bah je sais pas, c'est fait comme ça. Toutes les modes de Ever Logging sont faites comme ça. Ah ok. Je savais pas. Putain mais elle consomme de ouf. Elle a déjà consommé 3 litres. Ah oui, d'accord. Bah ouais, c'est pour boit. Ça. Ah ouais. Bon, je vais quand même te laisser l'amener. Hein. Je suis un peu un bâtard. Ah, mais là, je me dis, est-ce que d'après toi, on pourrait réussir à la rentrer dans le. Ah, mais le camion. Bah oui, justement. Mais non, mais elle rentre pas. Oh, si, ça va rentrer. Hein. Bah attends, mais non, elle rentrera jamais sur le camion.
Oh, le camion, il est tellement badass. Oh, il marche de ouf. Ah ouais, ouais. Il est trop bien, ce camion. C'est le meilleur achat qu'on ait fait. Ouais. Alors, pour l'instant, hein, parce qu'on l'a pas encore chargé. Bon. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Marron, prends le camion, puis recule. Ouais. Bon, c'est pas très, très, très RP, mais bon, elle va à 7 km/h. Hein. Oh merde, attends, stop. Non, mais oh, ça marchera pas, hein, ça marchera pas. Si, ça, je te dis, avec moi, tout marche. Ouais. Allez, recule, tout doucement. Pff, non, mais ouais. Allez. Ouais, non, non, ça marche pas, ça marche pas. Non, ça marche pas, tu vois, avec moi, tout marche, ouais, on a bien vu, hein, tout marche. Alors du coup je viens d'arriver sur le chantier, et maintenant on a de quoi faire des chargements, je suis trop content de l'avancée de cette série. D'ailleurs je vous ai pas dit, vous l'avez remarqué, en haut là il y a marqué milieu automne, et oui, on a mis le mode saison, enfin, hein, je l'avais dit qu'on mettrait au bout d'un moment, bon ça y est, il est mis. Donc autant vous dire que dans les prochains épisodes, ou même à la fin de cet épisode peut-être, on va galérer avec la neige, ça va être marrant. Et on aime ça, oh putain mais le tas est trop stylé. Ah mais ouais. C'est beaucoup trop stylé. Oh, et vous savez ce qui me ferait kiffer, c'est de remplir les trois remorques. Allez. Remplir les trois remorques et après on va vendre. Mais c'est vraiment de la merde en fait. C'est vraiment le meilleur mode qu'on ait ajouté, Marlon. Mais qui a fait un truc à bois sans mettre de sangle? Il se dénonce. Oh non. Oh je suis si triste. Oh mais putain c'est chiant de ouf. Bon après en vrai ça va. S'il est bien tassé, il faudra juste faire attention sur la route. C'est bon, nous sommes de retour, Will est intact, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire pour remplacer le camion, c'est en fait, j'ai augmenté le prix du canoir parce que vraiment, c'est l'idéal. Il fait 650 chevaux, il monte à 140 km/h. Bon, j'y crois pas trop, avec du bois derrière en tout cas. Mais il est sympa. Comment on va le prendre en... Ah, il est sympa. Ah, vas-y, je le prends comme ça. Il est joli. Allez, hop, j'achète. C'est quoi ce détail? Ah ouais, on va le prendre comme ça. Acheter, tac, il nous reste plus 270 €. Ça fait bizarre. T'es habitué depuis quelques épisodes d'avoir de la thune de 70 €. Mais c'est pas possible. Il a rebugué. C'est la cinquième fois dans cette vidéo alors qu'on a tourné 6 minutes. 6 minutes. Bon, je vous montre quand même le Kenworth. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Et 150 cheveux. On va voir s'il prend 150. On va aller là-bas. Et je vais aller chercher du coup une nouvelle remorque parce que maintenant, du coup, on a 3 véhicules pour charger. Et on va pas vendre tant qu'on n'aura pas rempli les 3 remorques. Comme ça, ça fera un chargement énorme pour cet épisode et j'espère que ça fera une rentrée d'argent conséquente. Le mec va arriver avant moi, il vient d'acheter un camion, il va arriver avant moi. Ah oui ! Lui, il est encore en train d'emmener sa pelleteuse depuis tout à l'heure. Mais je suis sûr que je vais arriver avant toi. Bah, peut-être pas, parce que je suis rendu. Ouais, mais non, je parle à côté de Loire, tu vois. Oh putain. On va voir. Juste le klaxon, c'est quoi ? Oh, le klaxon, bon. Ah ouais mais hybride hein. Ouais en fait hybride à 80 km/h c'est une arnaque sur pattes. Ah c'est pas si mal hein parce qu'avec le bois. Ouais mais bon quand le vendeur m'a dit 150 bah j'y ai cru moi. Et là je suis très déçu. Du coup Will il est plus là? Non. Bah si il est là mais... Non ouais enfin il est plus là. Parce que il a pété un câble. Je crois qu'il a été mettre sa box dans la baignoire. Dans la toilette. Ouais dans les chiottes. Non mais là oui. Oh putain même pas Marlon va arriver là. Ah mais oui il arrive avant lui attendez. Oh là là. Le retournement de situation, c'est incroyable. Tu penseras pas. Oh, je suis passé quand même. Je suis arrivé avant lui. En partant 20 minutes après. Cette abatteuse est beaucoup trop rapide. Ah oui, du coup, je vais chercher une remorque dans J'ai déjà consommé 10 litres depuis que je suis parti. Ah non. Ouais. Tout ça pour rien faire, quoi. Heureusement qu'elle bouge pas trop. Bon, je vais aller chercher une remorque, du coup, moi. Vas-y. Une bonne remorque pour mon camion. Du coup, je prends une longue, ouais. Ah bah oui. Moi, je pense largement. Est-ce que j'en prends une double? Oh non. Non, pas la double parce que tu tires pas. Bah il fait 650 chevaux. Tu peux essayer. Hein. Ouais, mais ouais. Ah bah essaye. Allez, on va essayer. Ça sera un investissement. Et on va remplir bah, 2 doubles remorques du coup, enfin. Voilà, ça va être quelque chose. Hein. Ah, le retour de Will, attendez deux petites secondes. Il a rejoint le serveur et quitté le serveur. Bon, on n'aura pas Will aujourd'hui. Ça sera sans Will. Bon, on va pouvoir quand même atteler la remorque. Elles sont attelées ensemble, ouais, tu avais pas d'attelé. Ah bon, l'ensemble rouge, du coup, il a même pas servi vu qu'on a vendu le casse juste après. Bon, ça reste pas moche. Ah, c'est stylé.
Ah là, avec le camion, eh, déjà il galère pas à vide, tu vas me dire heureusement. Mais oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on emmène mon train. Non, mais le truc, c'est un train, hein, je suis désolé. Hein. Ah, je pense qu'il va galérer à tirer tout ça. Hein. Vous pensez qu'il y a assez d'arbres pour le remplir? D'ailleurs, maintenant ça lag plus. Hein. Maintenant qu'on a vendu une grande partie des arbres. C'est vrai. Il y a plus de lag et ça, c'est quand même sauf agréable. Pour Will. Ah, ça, oui, mais bon. Lui, il a pas besoin qu'il y ait des arbres, mais je pense que voilà. Premier épisode, enfin, il y aura eu Will hein, à l'intro, quoi. Mais c'est tout. C'est bizarre parce que ça a pas bugué pendant le off. Mais... Bah ouais. C'est vrai. Bah, ça a bugué une fois. Ouais, ah, une fois, c'est vrai. Je vais amener ma remorque où, moi? Ah, mais c'est là, pas mais moi, je suis un peu con. Hein. Parce que là, je viens de me mettre dans plein de souches. Vas-y. Bon, c'est bon, mon camion est aligné avec les bouts de bois. Est-ce que je vais pouvoir mettre les arbres entiers, du coup, comme on voulait faire à la base? Parce que du coup, on te décrit l'action, Will. Là, on est en train. J'ai attelé la double remorque. Hein. Tu verras ça au prochain épisode ou sur la vidéo, du coup. J'attends jeudi prochain, fais chier. Ouais. Voilà. Boum. Ouais, bon, bah, va falloir tous les mettre comme ça. Et après, ensuite, bah, là, les couper au fur et à mesure. Du coup, je sais plus comment couper. On coupait tous les deux trucs, je crois. Ouais. Ouais. Je coupais comme ça, un là. Tac. Oh, c'est tellement plus pratique, je trouve. Et un au niveau de bah, où ça tourne. Donc ici. Comme ça. Et là, on va peut-être enfin pouvoir le tirer. Bon, je garantis rien. Faudra peut-être broyer un peu de souche avec le JCB. On en a broyé un peu en off. Ben, Artium en a fait. Alors, juste avant de vous faire un accéléré, je vais vous montrer. Regardez. Ah, ils sont petits tes bouts là. C'est quoi là? Bah, c'est du Vietmite. Bah, fais plus gros, tu peux pas? Plus gros, bah ouais. Combien? Oh, je sais pas, 12? Oh, 11? Parce que 11, là, 8 bon. C'est tout petit. Hein. Oh, ça me paraît petit moi. 11, ça devrait être bien normalement. T'as du coup besoin pour voir? Putain, c'est super. Oh, c'est trop pratique. Du coup, il y a plus besoin d'élaguer quoi. Oh là là. Oh, c'est trop trop bien. Oh, tu vois, en plus, tu mets quasiment tout. Ah, il est très juste. Le petit bout ridicule. Qui... Oh là là, non, mais non, t'es juste nul, c'est trop simple. Là, t'appuies sur X. Ouais. Et tu commences à couper. Et je fais comment pour couper? X. Ok. X. Attends, je vais juste me mettre en face du tas. Ah oh là là, on passe sur les souches comme on veut, mec. C'est juste trop trop bien. Puis en plus, là, écoute le bruit des chenilles quand tu roules. Mais what? Mais c'est de la merde. Ah, pourquoi il s'est mis en 1 mètre ce con? 11 mètres du coup? Ouais. Hop, X. Ah ouais, ouais. Oh, c'est trop trop bien. Ah, mais X. Du coup, le pire, c'est que là, ils sont déjà élagués. Ok. Donc, ouais, bah ouais, mais du coup, pour les prochains, ouais, ça élagera. Ah, c'est trop voilà. Trop bien. Moi, bon, je vais le laisser faire quand même parce que bon, c'est bien, c'est mais. Ouais, c'est satisfaisant, ouais. Mais ouais, c'est bien, mais pour les autres. Hein. Non, mais en vrai, c'est bien quand on est habitué, je pense. Bon là on a bien chargé le camion, sauf que je l'ai dételé tout à l'heure pour que ce soit plus simple, pour qu'on comprenne bien où ça tourne et pour pouvoir bien ajuster l'arrière. Du coup là il va reculer, je vais essayer de lever tout ça, ça va être sport. Du coup bon. Vas-y, ouais, attends. En fait faudrait utiliser le New Holland. Ouais, bah, la dernière fois on avait essayé de... Ouais. Je crois que c'était avec le New Holland hein, qu'on avait réussi. Il me semble que c'était avec le New Holland. On va essayer comme ça, parce que c'est très dur à soulever une rameur comme ça, même à la main là. Même avec toutes ces mois de musculation. Attends, comment... Essayez de s'engler peut-être pour embarquer. Ah ouais, c'est pas con ça. Oh. Oh oui. Vas-y, recule. Oh oui. Oh c'est beau. Vas-y, vas-y, recule. Attelle. Vas-y, attelle. Voilà. T'as attelé là? Oui. Allez, oh là là, oh c'est beau, oh c'est beau là les gars, là les gars on vous fait un show là, c'est beau, c'est beau, oh c'est beau. Oh là là. Et c'est pas mal, on commence à avoir des chargements, regardez, on a un chargement là-bas, un chargement là, un chargement ici, Artium il est en train de couper plein de bouts de bois ici. Oh c'est trop beau là, il reste plus que ça là-bas, et franchement, dans cet épisode les gars. On peut continuer à remplir l'avant, il reste Ouais, il reste de la place hein. Yeah.
ça a bien avancé. Hop, FOV 70. Regardez. Regardez, regardez. Bah là, le chargement là est plein. Ici, bah, il a continué de couper Artium à fond ici. Et bah, il va nous suivre du coup avec le New Land et on va aller emmener tout ça à vendre. Du coup, bah, je vais emmener le camion, le double chargement. Ici, Artium va emmener le JCB. Ouais. Un beau chargement. Oh, putain, et là, le plus petit va être emmené par Black Meek. Donc attends-nous, Black Meek. Ouais. Alors, prends, je veux juste voir si mon camion peut tirer parce que. Bah, on a un problème ici. C'est pas gagné. Pourquoi? Parce que dans le fond, les arbres ils touchent au tracteur. Ah ouais, faut couper. Non, mais c'est bon. Oh! Ah, mais le camion il s'en fout en fait. Hein. Non. Oh, ça si. Passera peut-être pas qu'il me disait Artium. Ouais, ouais, ouais. Bon, Black, tu vas venir prendre le pick-up puis tu vas venir tirer par contre, la remorque parce que. Bon, les souches elles vont être vite insupportables. Hein. Attends. Vas-y, on inverse. Avance, avance. Ouais. Attends, j'attends que tu coupes parce que je peux pas avancer. Tu veux qu'on vienne te pousser, Marlon? Non, bah non, j'ai pas besoin de te pousser. Hein. C'est bon, avance. Il se promène, hein, c'est juste qu'il y a les souches qui sont chiantes. Ouais, nickel. Ouais, ouais. Black! Non, mais en fait, pourquoi tu l'as pas prise avec toi, Laure? Mais Black, pourquoi t'as détaché le Dolly? Dolly, il est trop. Non! Oh, quel con. C'est pile! Oh, oh putain, Black. Black le débile. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Quel bâtard. Et par contre, bon, normalement, ça devrait être bon pour moi. Ouais. Ouais, non. Coupe celle-là, Artium. Faudrait que tu viennes broyer celle que j'ai là juste devant ma remorque là. Ouais, c'est bon. T'arrives à passer. Attends, je vais couper celle aussi. Elle, tu vois, elle, Axel, tu dois la couper parce qu'elle est oui, trop. Oui, voilà, elle est trop haute par exemple. Oula, ça casse mon camion là, Artium. Attends, heureusement qu'il y a du poids. Hein. Heureusement qu'il y a du poids, il a même pas pu le bouger avec son JCB. Vas-y, non, c'était pas la souche ça. Ouais, nickel. Encore. Voilà! Attends, il y en a une juste là. Ouais, mais moi je stop, passe. Stop. Où ça, il y en a une? Ok. Attends, il y en avait une juste là devant ta roue. Ouais, mais on l'avait coupée celle-là, je crois. Ah, oh, ok, ouais. Ouais, nickel. Alors, ah là là, mais le camion il se balade, hein! Ouais, il se balade, il est à 12 km/h, mais. Enfin... Ouais, mais c'est un Kenworth! Ça tire ah, tout ça! Ça tire, hein. Camion américain, c'est puissant! Attention, tourne un peu. Ouais. Je me suis fait un peu de vue intérieure, là, j'ai pris le luxe. Et là, normalement, je vais aller. Allez, pousse-moi, Axel! Jusqu'au chemin. On est deux à te pousser. Oh les cons. Oh la vache. C'est bon Axel. Allez, direction la vente. Eh, d'ailleurs, attends, juste avant, parce qu'on va se laisser au moment de la vente. Regardez. Axel, stop. Eh, franchement, on a bien avancé. Hein. Bon, vous inquiétez pas, ça va aller plus vite, sinon on y est encore à l'épisode 700. Il y a un... Oh d'ailleurs, il faut que j'ai des commentaires des abonnés. Mais je vais les lire sur la route. Oh, je vais y penser. Pas que j'oublie cette fois. Et d'ailleurs, il y a un abonné Camille qui venait du futur. Il était en 2100 et j'avais toujours pas terminé cette série. Donc ça fait plaisir, hein. On voit que vous avez confiance en moi, hein. Mais vous inquiétez pas, allez, ça va aller plus vite, déjà qu'on aura les remorques autolo. D'ailleurs, question de, j'allais oublier de vous le poser, question de la vidéo, est-ce qu'on autorise les remorques autoload pour le bois? Parce qu'au bout d'un moment, ça va être vraiment long si on ne les autorise pas, mais voilà, après, peut-être que vous trouvez que c'est cheaté, et je peux le comprendre. Donc voilà, est-ce que vous autorisez oui ou non les remorques autolo? C'est la question de l'épisode, merci d'y répondre. Tac, bah, j'ai préparé les commandes, alors je vais juste me mettre en... Ah ouais, ça va être un peu long quand même, hein. Ça va être aussi long que la pelleteuse, hein. Bon, et voilà, nous voilà partis. Je les ai juste mute pour lire vos commentaires. Oh, le chargement, mais la longueur du truc, c'est impressionnant. Et ça lag un peu d'ailleurs, hein. On a les bouts de bois qui passent dans tous les sens. C'est impressionnant. Bon, on commence avec le commentaire de Maboule du 29 qui me dit « Salut, pour rappel, tu as le nombre d'arbres que tu coupes dans les statistiques. » J'ai appuyé sur échappe, je ne trouve pas l'onglet statistiques. Donc si quelqu'un sait où on peut les trouver, parce que genre, on voit vraiment, attendez, je vais mettre en ligne droite et on va regarder ça. Ensuite, il me dit, du coup, tu auras besoin de compter pendant 30 minutes. Bah ouais, je sais bien, mais enfin, vraiment, j'ai pas trouvé. Il me dit, ajoute le mode réalistique, enfin, REA, réalistique, je sais pas quoi, add-on. Ça va être bien drôle, ça ajoute une véritable physique selon l'adhérence. Ouais, on galère déjà assez, on verra, hein, on verra, mais pour le moment, je trouve qu'on galère déjà pas mal. Il me dit, et quand le mode saison? Bah, c'est maintenant, du coup, hein, c'est maintenant. Il me dit, j'ai changé le prix du bois? Non, on a rien touché au prix du bois, hein, vraiment, on a rien changé. Il me dit, il y a un pack de mode avec la version forestière. Ouais, c'est vrai, celle-là, faut que je la mette. C'est un super modeur qui l'a mis sur King Mode. Faudrait que je la mette aussi. Il me dit, bonne chance pour la suite. Je suis un peu ma boule. Ouais, c'est vrai. Non, mais merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite, on a un autre commentaire de Théo, VansuYT, qui me dit, salut Marlon, je te conseille de placer une rampe pour ton chargeur. Alors, ouais, c'est une bonne idée, mais on n'est pas encore sûr parce qu'on aime bien la grue quand même. Donc, on verra. Il me dit, pour que tu puisses charger plus facilement le bois dans le bateau. Mais c'est vrai que, ouais. On va y réfléchir, c'est vrai que ça peut être sympa. Il me dit aussi coupe une centaine ou une cinquantaine d'arbres et va les vendre directement sinon ça va bugger. Ouais, on va arrêter d'en couper 300. En couper 300 c'était vraiment trop, là on a calmé un petit peu le jeu. Il me dit comme tu disais, bah oui ça fait laguer. Il me dit tu coupes les rondins en 8 mètres et tu les charges directement dans la remorque. Bah c'est ce qu'on est en train de faire du coup avec Artium et son abatteuse. Elle est vraiment trop bien son abatteuse. Hein. Et il me dit ça sera du temps gagné, donc voilà. Bah continue tes vidéos. Bah, merci beaucoup Théo, merci beaucoup pour vos commentaires les gars. Et bah je vous mets un accéléré moi.
Le temps qu'on arrive là-bas, je mets juste, regardez, le régulateur et on va regarder ensemble. Regardez, je sais pas où il y a un onglet statistique. Hein. Regardez, il y a pas, hein, j'ai pas. Après le reste c'est des tutos. J'ai pas d'onglet statistique et pourtant j'ai le mode saison. Donc si vous savez où le trouver, bah, ça sera avec grand plaisir. Mais non, là je suis en train de réfléchir, mais je vois pas du tout. Alors du coup, il y aura deux équipes, une équipe grue ici, donc là il y a Artium qui arrive avec la grue pour décharger le JCB, là il y a Loire qui est ouais. Direct dessus, attends tu veux que je descende si tu veux. Tac, vas-y. Non, tu l'as pas descendu. Stop, stop, okay. stop. Ouais, c'est bon. Ouais, j'adore les bugs. Ouais, faut pas en prendre trop, ouf, surtout si tu peux pas l'élever. Ah, fais gaffe, non. Il va tout niquer pour en prendre un de plus. Attends, je vais sangler l'arrière. Incline vers toi. Je suis à fond. Ah ouais. Ouais, j'adore. Ah, ça. Putain, ça passe que. Ah, ça passe presque. Ah, c'est bon. Oh là là, okay. C'est stylé. Stylé. Et ici. Oh, ça va. Oh, vous allez vite, vous. Hein. Avec la grue, c'est pratique quand même. Hein. On dirait que t'as quasiment un double chargement. Mais non, le double chargement, il est énorme. Avec le camion. Putain, mec. Oh, c'est un kiff. Ah bah, ouais. Hein. Ça sent la monnaie. Ouais, bah j'espère. Bon, du coup, on remplira pas un seul bateau. Du coup, il y aura les deux, mais bon. Oh, ils sont bien coupés en plus, regarde. Ils passent pile parfait. Faudrait savoir combien il y a de mètres. Faudrait savoir combien il y a de mètres, comme ça, on pourrait te dire à combien tu coupes, Artium. Mais de toute façon, je pense, ça, c'est à peu près des. Ça, c'est des 8. Ah ouais, ouais, donc. 6 ou 7 mètres. Ah ouais. Non, ça, c'est des 8 black. Non, moi j'ai rien dit. Non, c'est Will. Mon Axel est là, désolé. Là, je me sens mal. Mais non, mais c'est Will, c'est ni Axel ni Will. Ah, mais oui. Mais j'avais complètement oublié que Will était là, c'est pas de ma faute. Bon les gars, franchement, il y en avait qui nous avaient demandé de remplir le bateau. C'est pas trop mal. Hein. Bon, on fera peut-être mieux, mais enfin, franchement, si on compte les deux, on a rempli un bateau hein, largement. Ah bah oui. Donc, allez, chacun un trigger, les gars. Vas-y, j'y vais. Mais abandonnez pas. Ouais. Hein, allez juste sur le trigger. Vous connaissez la touche CR, hein, attendez. Ouais. 3, 2, 1, go 1. Oh, oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Il y a combien? Attends, il y a 249 000, non? 247 000. Ah ouais, non, ah ouais, bah oui, parce qu'on avait 200 euros. Ah ouais, 247 000. Oh, là oh c'est bon. Bon, les gars, on va se laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé. Et merci à tous ceux qui ont été là. Même Will, qui était présent que pour le off. Et voilà. Merci le début de la vidéo. Bonjour. Mais il reviendra plus fort. Allez, les gars, c'était RJ. Ciao. Ciao. Ciao.